Et 5 personnes donc qui deviennent étudiants du campus de la Salty Academy. Et si vous jouez à Rainbow Six, eh bien si vous devenez étudiant du campus de la Salty Academy sur Rainbow Six, vous avez le droit au charme de la Salty Academy gratuitement en linkant votre compte. Console, PC, tout. Alright, I've got to show you guys. I'm in Pro League. Alors, vous connaissez le principe ou pas, hein, on part sur un teachers, on prend une personne, vous me dites qui est-ce qu'on regarde. Et on le suit, bien évidemment. Et voilà. Qui est-ce que... Je vais sur qui? Jaeger. Ok. Allez. Hop là, j'ai vu Jaeger, je vais sur Jaeger. Ok, le positionnement des Jaeger est pas con, hein. Positionnez toujours les Jaeger à des endroits où vous savez que ça va balancer du stuff et où ils sont pas pétables. C'est tout con, mais ça sauve des vies, ça sauve des runes, quoi. Ouf, ça spawn kill déjà, comme des gros fils de... C'est pas mal ce qu'il fait, hein. Parce que c'est très difficile, hein. Si on a le grappin, on peut vraiment faire mal si le mec fait pas attention. Ah, Yana. Et si t'avais du skill, ça passait. Ah, ouais. Pardon. Son positionnement très agressif, j'aime beaucoup. C'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Dommage que tout à l'heure, il n'y avait pas le petit coup là. Monter à cet endroit-là, franchement, tout le monde ne le sait pas. C'est très bien. Après, t'as pas la ligne sur le... Il y a un petit manque sur le aim là, mais on dirait plus un problème de je suis froid. Le pré-shot est bon, donc on connaît les lignes déjà. Et on fait ch**. Et on est un Jaeger et on empêche de rentrer à un endroit. Hein, on va pas aller s'allonger sur le site quoi. Et quand ça commence à être la merde, on va se rabattre à la limite sur le site en dernier recours quoi. Mais c'est très bien. Ça c'est un bon Jaeger. Bon là il pourrait complètement se faire sécher, en revanche. Ça manque énormément de... juste sur le aim. Mais je pense que c'est plus le stress. Ouh, ça fait mal ça. Est-ce qu'on est greedy ou est-ce qu'on n'est pas greedy? On a vu la clé mort, je pense. J'espère pour lui. Et on peut encore surprendre. Ça manque de... En attaque, c'est la merde. Ok, premier kill. Ça fait un peu trop de A et de E là, à mon goût. Ok. Et c'est bon pour tout le monde. Finish poll et la note est de 7. Complètement d'accord. C'est-à-dire qu'il y avait juste le aim, mais on sait pas vraiment. Ça donne plus l'impression qu'il y avait un petit coup de stress parce que c'est le premier round, etc. machin, que vraiment pas bon quoi. Le placement agressif, en revanche, il joue l'opérateur comme il le faut. Exactement comme il le faut, où il le faut. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très bon. Franchement, c'est très très bon. Agressif, relou, casse-cou, le bon Jaeger quoi. Parfait. On passe sur qui? Vite, 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 vite. J'ai vu un doc. Allez, c'est parti. Hop là. Attends, on va regarder avec les kills. 3 kills. Non, on va passer sur le lésion qu'on n'a pas vu. Direct. Qui a l'air dans son round. Je préfère à la limite retourner sur un doc à un moment, il va commencer à activer son compteur. Hein, ça me paraît logique. Ça, c'est pas normal. Bon, là, c'est une grosse erreur de la part du fuse. C'est pas excellemment bien joué de la part du lésion. C'est juste une grosse erreur de la part du fuse. Qu'est-ce qu'il fait en revanche le lésion? Ouh! Bah ce qu'il fait c'est qu'il va coller une énorme tête là quand même. Oh bah j'avais dit qu'il fallait aller sur les lésions et pas sur le deck. Bon, j'aurais préféré des lésions qui sont autour de la zone dans laquelle moi quand je vais aller roamer avec un lésion, je vais les utiliser bah, comme un déclencheur. C'est-à-dire que j'ai rien d'autre pour m'aider. Donc tu le mets à certains endroits et tu fais hop pip, j'ai entendu, il est là-bas, ça rentre là-bas, tu vois. On a le doc qui est de l'autre côté. La note, s'il vous plaît. Alright, la note, elle est de 9. Nous sommes d'accord. Ok, attendez, on va regarder les trucs. On va regarder, tiens, le Milo. On n'a pas ban le Thatcher. Attention, l'utilisation des gadgets. Donc il a envie de faire la ligne LMs. Qui n'est pas là d'ailleurs. La feuille à droite. Non, là il y a du bois, là il y a du bois. Voilà. Faut répéter la fenêtre en revanche, hein, parce que c'est sympa de faire ça, mais si tu pètes pas la fenêtre, tu peux te prendre un énorme pré-shot en plus. Pas de placement des électro-griffes. Et où est-ce qu'il les joue, les électro-griffes, là? Hein? Vouloir coller son one-tap, c'est sympa. Mais dans quel but il a envie de jouer, quoi? Oh là là, bah si les autres ils font pas gaffe, en revanche, il va venir le coller son one. Hein. Ok, on fait des trous de rota.
Oh! Ah bah là, bien niqué. Plutôt. Oh. Un, bien joué de la part du Thatcher. Hein, il pose la termite, il envoie son truc. N'oubliez pas, il aura pas le cooldown. La petite ligne, elle est connue. Les petites décales sont pas mauvaises. Il peut mettre un one. Les petites décales sont bonnes hein, à la cog. Hein. Ça peut venir coller le one si les mecs font de la merde. Ah, ça va surtout se prendre un one, ouais. On peut le noter, du coup, le Kaïd. On essaie de faire son one tap sans vraiment y rester. Et une fois de plus, on a cette problématique que je rappelle à 90% des joueurs de Rainbow Six. Quand on prend un opérateur, on maîtrise l'arme, oui. Mais on maîtrise avant et surtout le gadget. Allez, on peut noter. 45 secondes. Ok, vous avez décidé de mettre 5. La note apparaît. On est d'accord. Ok, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. On peut aller sur... Allez, Eikichi, l'IQ. J'aime bien. On décompose Rainbow Six par objectif. Hein. Pas la peine de penser à l'objectif de planter la bombe et de mettre des putains de drones sur la bombe. Si 100% du temps, les mecs nous ont spawn kill. Ça sert à rien, mettre ton drone à l'extérieur, tu sais. Qu'on puisse savoir déjà si on peut approcher le bâtiment. Noni. Elle me paraît un peu loin, cette Claymore. N'oubliez pas de vous reculer de la porte hein, quand un termite fait sauter la porte. C'est tellement facile de balancer le C4 sur l'explosion d'une termite, tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui font ça hein, dans du Hello plate supérieur. Même moi, ça m'arrive de le faire parfois. Quand je sens que mon C4 va pas être utile en late game, au moment où le mec il ouvre sa termite, boum, tu le balances sur plein de maps. Hein, sur plein de maps en fait. Hein, sur une consulat, sur une chalet, sur une n'importe quoi. Une trappe qui s'ouvre, boum, le C4 sur Clubhouse. Putain, heureusement qu'il y a personne qui l'attendait parce que là il perdait son duel, c'était sûr. Il y a une petite ligne hein, de putain. Ici, ouais, deux fois. Là aussi, on se penche plutôt à droite qu'à gauche. Hein, et on fait gaffe, on essaie de trigger un mec parce que s'il a la ligne, bon bah là, il one tap. Hein, il a rien à faire. On peut noter du coup, là IQ, quelle note mettez-vous à ce joueur? Vous avez 45 secondes. C'est pas mauvais en soi, tu vois, le mec a pas fait de la merde quoi. Hein, j'ai envie de punir un mec qui fait de la merde quoi. C'était pas mauvais, mais ça manque d'action quoi. C'est-à-dire, si on est toujours dans le schéma où on sait pas vraiment quoi faire, on se touche un peu la nouille et puis bah... Ah bah tout se passe bien, j'arrive et je fais peut-être un kill. Moi c'est bien. Et tout se passe mal et j'ai pas la capacité à faire quelque chose, tu vois. On sentait bien que le clutch il était quasiment perdu d'avance, tu vois. Alors que c'est un 1v2, 1v3, enfin on s'en fout en fait. Tu donnes tout ce que t'as quoi. Hop là, vous avez noté 4, décidément ce soir on est connecté les poulets. J'ai noté 4 aussi. Pour les réseaux que je viens de donner. Trop passif. On va repartir à la limite là-dessus. On a Angelos qui a activé un petit peu son compteur et qui part sur un Jaeger. Jaeger sur site. Bon alors. Après, ce BP est un peu compliqué, quoi. C'est soit tu roames au l'étage du dessus, soit tu vas un peu dans l'autre bombe site. Mais là, on est vraiment dans une logique où tout à l'heure, déjà, il a pris un écho, tu vois. Donc, plutôt un joueur de site. Et là, on est vraiment sur le joueur de site, quoi. Et je suis pas fan. Tu vois, il connaît même les petits trucs pour aller... Moi, je connaissais même pas ça, tu vois, d'enlever les trucs pour se gagner une ligne qui est sympa. Elle est sympa, sa petite ligne, là. Mais tu vois, j'ai pas vraiment envie de voir un Jaeger à cet endroit-là, quoi. Parce que là, une fois de plus, ça va manquer d'agressivité. Et à la limite, quitte à faire ça, une fois de plus, autant aller juste à la porte à côté. Qu'est-ce qui va se passer à la porte à côté? Il va y avoir un mec qui va rentrer en rochant avec Finca? Non, il va y avoir un drone qui va arriver. Tu casses le drone, tu recules. Tu casses le drone, tu recules. Voilà, tu mets un peu d'agressivité. Balance quelques pré-shots dans la fenêtre, etc., etc. Alors que là, bah, qu'est-ce qui va se passer? Soit tes défenseurs arrivent à faire le roaming, et dans ce cas-là, t'es bon. Soit autrement, ils n'arrivent pas à faire le roaming, et qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils vont se faire défoncer la rondelle, en fait. Nice, intelligent ça. Tout de suite, il a compris. Très très bien. Tu vois ce que je veux dire? Si les roamers là n'y arrivent pas, la verticalité, il va la prendre en pleine gueule. Hein.
Le viseur laser sur Jaeger, je trouve pas ça ouf du tout. Ouais, non, le viseur laser, j'avoue, moi, je le laisse sur les trucs, sur des pistoles, parfois. Parce que j'oublie de les enlever. Mais si j'oublie de les enlever, en revanche, vous me verrez jamais prendre une ligne directe où on pourrait voir le laser, quoi. Mais du coup, ça oblige à légèrement flic, quoi. Enlevez-les, les lasers, surtout... Tu vois, tu peux le garder sur un pistolet, sur Blitz, par exemple, si t'as envie de faire du hipfire de temps en temps, mais... Voilà, bon, il fait son kill, tu vois, mais... Ouais, non, ça... Trop passif pour un Jaeger. Ok, terminé. Vous avez décidé de mettre la note de 5. Bah là, ça sera la première fois qu'on sera pas en adéquation. J'ai mis 4. Monsieur Wayne, on n'a pas eu le temps de le noter. Ça, je m'en souviens. Donc, on va le noter sur un maestro. Impact sur maestro, c'est marrant, ça. Franchement, impact sur maestro... Alors qu'il y a un lésion dans la compo. Ah forcément, hein, la ligne LM, ça pardonne pas. Hein. Bon, c'est one tap, hein, je veux dire, c'est propre, etc. Machin, y a rien d'exceptionnel. C'est une ligne, t'as un pixel, et le mec il met sa tête dans le pixel, tu tires, bon bah voilà quoi. C'est plus une énorme erreur de la part de l'attaquant en face qu'un magnifique truc de la part du défenseur. On est un peu trop tous entassés dans le serveur là. Et on manque d'agressivité là-bas. Les attaquants devraient clairement attaquer... Il est devant toi. LOL. On peut noter du coup le maestro. Le maestro. Bon, voilà, vous avez mis entre 4 et 5, avec une majorité de 4. Moi, j'ai mis 5,5, quoi. C'est-à-dire, tu sens que c'était pas mauvais, etc. La connaissance des lignes, le petit one-tap, machin, truc bidule. On l'a pas vu une seule fois sur ses caméras maestro. Ça, c'est un gros problème, hein. À part Valkyrie, sur lequel tu vas utiliser tes propres caméras, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent maestro et Echo sans utiliser ni leur maestro, ni leur Echo. T'as l'impression que c'est un peu des mecs qui avaient l'habitude de prendre Rook et Doc, tu vois, et qui prennent maestro ou Echo pour ne pas se faire engueuler, quoi. Yippee-Kay, qui a du mal, visiblement. Et franchement, quand je vois un. Combien ? 1,05, j'ai pas envie de te voir sur Inela. Mais bon, là s'il va dans l'escalier, ça me va. S'il est en roaming, ça me va pas des masses. Personne ne peut se faire avoir à part un noob ici. Hein. Non, non. Déjà le pré-shot, heureusement que qu'il ne le connecte pas parce que... Je pense que la note se voit sur mon visage. Non, c'est un étudiant de longue date, ça m'énerve d'être salé, mais... 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Pip, 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 pip. Ok, vous avez décidé d'être salé aussi et de mettre la note de 2. Franchement, vous êtes vraiment des salauds. Vraiment. J'ai mis 3. Alors, attention. Tu vois, au moment où il met le drone, dans ma tête, tout de suite, ça tilt et ça me dit « Je sais qu'il est dans la range de l'EMP de Thatcher. » Tu vois, tout de suite. Donc je fais attention à ce genre de drone. Je le mettrai pas forcément là. Des bons drones qui donnent des bonnes infos. Ouf. Propre, hein. La pose est bonne. Ici, cet endroit-là fait partie des endroits safe sur lequel il n'y a aucune ligne directe. Alors, il pourra pas vraiment capitaliser sur une décale hein, là-dessus. Là, il s'aperçoit, j'ai l'impression que les niveaux de l'escavère, personne ne le couvre. Peut-être qu'il va coller quelqu'un pour y aller. Là, c'est le premier truc qui passerait en tête, moi. Il n'y a personne à l'escavère. On prend l'info et on décale. On reste zen. J'aime bien. Et on va utiliser les putains d'éco-drones. Alors, malheureusement, le shield, ouais. Ça, fallait y penser avant. Allez, on ment. Il y en a un autre, il y en a un autre. T'as pas besoin de décaler, t'as pas besoin de décaler. Voilà, ça, tu peux le mettre. Wow! Dommage. Bon game sense, bam, j'envoie le truc. J'aime bien, c'était propre, c'était propre. Ok. Vous avez décidé de mettre la... Bon, ok. Je pensais que j'avais oublié de mettre la note, mais non, j'avais mis ça avant vous. Et j'avais mis 8 également.